Et puis pour faire une transition entre l'activation et leur chorégraphie, on leur propose un repos, tout simplement, qu'on va appeler le repos structurant, où on n'a pas besoin d'aucun objet, mais la consigne ici, c'est deux choses, de plier les genoux pour vraiment avoir les hanches relaxes, donc le dos relax, qui puisse décompresser. Et la deuxième consigne, c'est d'essayer de vraiment maintenir un espace le plus long possible entre la cage thoracique et le bassin. Donc pour ça, on peut descendre un petit peu notre bassin, donc le faire manuellement avec les bras, les jambes, donc le ramener un peu plus près des talons, puis hop, soulever la cage thoracique. Donc de cette façon-là, si on passe quelques minutes ici, de 2 à 5 minutes, on va favoriser une décompression des lombaires qui devrait aider dans leur chorégraphie.